Hello, 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 bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je fais toujours mes réglages en même temps que ça commence. Bonjour, bienvenue dans La Voix des Fleurs, bienvenue pour le tirage des énergies du moment. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous profitez aussi du printemps, du beau temps, de la belle saison qui s'installe. Que vous reveniez sur vous en ce moment. Alors vous me direz dans les commentaires hein, comment est-ce que vous vous sentez, comment vous vivez les choses. Mais on est plutôt dans des énergies assez yin en ce moment. Donc des énergies qui vont nous entraver un peu dans le passage à l'action, dans le concrètement. On a juste envie de se mettre le derrière dans sa chaise longue sur la terrasse et en mode c'est bien aussi quand je fais rien. Ok? Donc je ne sais pas si vous êtes dans cette situation. Bienvenue à tout le monde, je vois que vous vous connectez. Je suis ravie de vous retrouver. Hein. Ça faisait. Bon, c'était il y a 15 jours, mais c'est comme si c'était il y a 2 siècles qu'on ne s'était pas vu. Donc si vous vous sentez dans cette situation-là de rien avoir envie de faire, eh ben, vous savez quoi, c'est juste normal. Pourquoi? Parce que, on va voir dans le tirage, si ça se confirme, ça se trouve, on va avoir le contraire de ça. Mais ce qui est en train de bouger en ce moment, c'est la guérison d'abandon. Donc, le fait de ne pas avoir envie de passer à l'action, le fait de juste avoir envie de se poser, le fait d'avoir envie de prendre soin de son énergie, le fait d'avoir envie, oui, de se reposer, de se régénérer en profondeur, peut-être de mettre des transformations dans votre mode alimentaire, dans l'activité physique, dans le sommeil, c'est juste normal. Vous êtes en train de vraiment venir reconnecter des couches très profondes à l'intérieur de vous. Donc, tout va bien. Bonjour Corinne, Odile, tiens salut, ça faisait un bout de temps que je ne t'avais pas vu. C'est pas faux, je suis en plein changement de vie. Ben voilà, ok, et eh ben illustration par l'exemple, exactement, on est là-dedans. On est vraiment, ça faisait un bout de temps hein, que ça couvait. Là, la gestation, elle est vraiment en train, ouais, envie de rien faire. Eh ben, tu vois, Odile, tu confirmes, c'est juste ok, quoi. D'accord? Donc, ne forcez pas les choses. Si vous sentez que votre système, il vous met votre corps, en fait, à l'arrêt, c'est pour une raison particulière. C'est que vous avez besoin. J'ai envie de vous dire, c'est la dernière ligne droite avant le repassage en mode action. Quand on est en yin, c'est qu'on a besoin de régénérer l'énergie. Pourquoi? Parce que derrière, ça va s'accélérer. On a les montagnes russes qui vont arriver, je ne sais pas quand, dans l'été, je pense. Ou assez rapidement joint, pas. Donc là, vous êtes en train, par le repos et par l'envie de rien faire, de mettre du carburant de réserve, parce que quand ça va, je vous jure que ça va s'accélérer. Je ne sais pas quand, mais ça va s'accélérer les choses, les événements, les opportunités. Et là, eh ben, il va falloir suivre. Ok? Le corps demande du repos. Écoutez les injonctions de votre corps. Votre vérité, on arrête le mode licorne perché. Je veux être une lumière, je veux être blablabla. On s'en fiche. La question, c'est si je veux être une lumière et rayonner la lumière de mon cœur, eh ben, il faut que je sois OK avec mes énergies. Je ne peux rien rayonner du tout quand je suis juste mort de fatigue. Salut David! Donc, à un moment donné, on prend soin de son énergie, on prend soin de soi et on est égoïste. Cette période de passage, de retour à soi pour régénérer ses fondements, c'est quelque part presque un test d'équilibrage. J'ai toujours été très empathique, je me suis toujours mis au service des autres, j'ai toujours fait pour les autres, ce coup-ci, c'est pour ma gueule. D'accord? C'est une initiation, hein? C'est juste une exploration. Vous savez que l'alignement, c'est la défocalisation. La défocalisation, c'est sortir des jugements. C'est j'arrête de vouloir être que lumière parce que c'est dans l'ombre que je trouve ma lumière. Donc, j'arrête de ne pas vouloir être égoïste parce que c'est mal d'être égoïste. Non! Je fais l'expérience de l'égoïsme, prendre pour moi, mais parce que je sais qu'après, derrière, un, c'est pas ma nature véritable, et que deux, je vais leur mettre ce que j'ai pris pour moi d'une manière ou d'une autre, ça va retransiter pour les autres. Et c'est ça le mouvement de la vie. Un coup un extrême, un coup un autre, paf, 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 et derrière, je crée l'alignement dans la neutralité, parce que plus je monte en vision, plus je fais l'expérience des extrêmes opposés, plus je comprends qu'il y a du jugement, plus j'en sors, et plus je peux être librement qui je suis. Ben oui, être humble et enthousiaste n'est pas être égoïste. Mais on a le droit de pas. On a le droit aussi. Le mot humble, je passe mon temps à parler d'humilité, mais l'adjectif humble, il est très connecté judéo-chrétien.
Donc, il faut faire attention à la réalité qu'on met là derrière. Ok ? L'humble, être humble, c'est pas non plus aller chercher la dévalorisation ou là, je sais pas quoi. C'est humblement, je me fais passer en premier. Oui, là, comme ça, ok. Humblement, là, je prends pour moi parce que c'est à mon service que j'ai besoin d'être. On va faire un premier message avec la monologie. C'est dans le ventre, hein. C'est dans le ventre que ça travaille. C'est vraiment au fond des tripes. Donc, on est sur des couches profondes. Vous savez que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Si vous... Peut-être vous avez, j'en sais rien, des manifestations au niveau transition, transition, je ne sais pas si c'est le mot ça. Je ne sais plus. Digestion. si vous sentez, je ne sais pas, soit vous allez trop souvent, soit pas assez, soit je ne sais pas quoi, observez comment... Transit intestinal, c'était ça le mot que j'ai cherché. Où vous en êtes avec votre transit intestinal ? Parce que du coup, c'est là que vous allez observer si est-ce que vous êtes dans l'acceptation de digérer les choses du passé ou est-ce que vous êtes en blocage, constipation, genre je peux rien prendre, bref. Mais ça bouge énormément au niveau des intestins. Donc, c'est aussi hein, une indication de comment je digère, voilà, j'en ai deux qui ont sauté, comment je digère tout mon passé. Alors, n'hésitez pas, là j'ai une super pleine lune, juste pleine lune, sans signe. Focus sur soi, pleine lumière sur soi pour comprendre que je suis étincelle divine au service de l'univers. J'ai foi en l'univers, j'ai foi en ma lumière et j'ai foi en le fait d'être guidée. On me montre ce qui doit être travaillé, harmonisé en moi pour que l'alignement se fasse. D'accord ? Alors concrètement, j'adore, nouvelle lune et pleine lune. Pleine lune en Sagittaire, quels sont vos axes, les objectifs Sagittaire, la flèche de l'arc, quelle est la droite ligne que vous voulez suivre pour la suite, mais nouvelle lune en Capricorne. C'est dans l'ombre que se révèle la lumière, c'est ce qu'on vient de dire. C'est dans l'arrêt, alors ici j'ai du yin par excellence, là j'ai du yang par excellence, la pleine lune c'est yang, la nouvelle lune c'est yin évidemment. Ça nous parle de fusion des polarités opposées et complémentaires. Comment, en mode Capricorne, je viens faire le tri de manière très paf-paf sur je garde, je garde pas. Là, c'est hey, coucou ma belle Karine, comment tu vas ? Comment je suis à la sortie d'un cycle et j'ai un nouveau cycle qui va démarrer. Mais qu'est-ce que j'emmène avec moi de mon passé dans ce nouveau cycle de vie ? Et puis qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Qu'est-ce que j'archive ? Qu'est-ce que j'emmène dans mon but ? D'accord ? Enfin, plutôt comme ça en fait. D'abord, je viens dedans, faire le travail d'archivage. Hein. On vous dit ici avec la nouvelle lune en Capricorne, votre dur labeur va payer. Vous êtes sur le point de récolter les lauriers et les résultats de tout le travail justement d'harmonisation de guérison. Steph, il nous disait tout à l'heure, oui, j'ai beaucoup travaillé, transmuté de mémoire, voilà. Effectivement, la transmutation, c'est le passage de l'ombre à la... Non, c'est dans le sens ça. De l'ombre à la lumière. Conscientiser ce qui était caché dans son système d'archivage de mémoire cellulaire. Notre corps porte notre vérité. Plus on veut s'éloigner du corps parce que le corps il fait mal, hein, concrètement, et qu'on veut s'élever en mode spirituel, si vous ne travaillez pas votre ancrage à la même hauteur que vous travaillez l'élévation d'esprit, et donc vous, si vous ne travaillez pas l'ouverture de votre chakra racine, chakra sacré, etc., les chakras inférieurs, vous partez comme un ballon d'hélium en mode je me perds de manière égotique. Là, on est dans l'ego, le pur ego spirituel. Revenez à du vrai concret avec le Capricorne. Dans votre intériorité, ok, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas? Quelles sont mes croyances utiles pour être au service déjà de moi, de mon expansion, donc de mon rayonnement, donc du monde. Et qu'est-ce que je garde qui va me servir pour devenir
la personne que j'ai envie d'être dans le futur. La pleine lune en Sagittaire révèle votre route à suivre. Vous voyez, quand j'arrête pas la voie des fleurs, la voie des fleurs, la voie du cœur, ben on les a les deux là. Avec la nouvelle lune en Capricorne, je viens écouter la voix à l'intérieur. Mais la voix qui est capable avec le Capricorne, il est dur, il ne fait pas dans l'affectif. On n'est pas dans la lamentation, oh pauvre de moi, blablabla. Non, on est dans, bon, maintenant c'est concret, c'est clair, c'est net, c'est à un moment donné, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Point. Il n'y a pas d'affect avec le Capricorne. C'est pif, paf, pouf, merci mes roufs. Qu'est-ce que j'embarque avec moi? Qu'est-ce qui va m'aider à suivre ma voix? J'écoute ma voix et je trouve ma voix et je la suis. Et plus rien ne pourra jamais m'en détourner. Je cesse d'abandonner mon pouvoir à l'extérieur de moi avec ça. Hein. C'est ça qui est bon. Ok ? Bon, ça nous met là. Ça nous pose la configuration. Alors, concrètement, entre la sagesse de l'oracle et mes fleurs, mon choix balance, par quoi je commence ? On va faire les fleurs. Les fleurs et on ira chercher trois cartes de la sagesse pour conclusion. Allez, mes petites fleurs de bac. Message du jour en lien avec... je fais l'archivage de mon passé. Je digère ce que je dois digérer. Ce que je digère pas, c'est peut-être parce que je manque d'élévation de vision, d'esprit aussi. Qu'est-ce que ces épreuves ou les choses dures que j'avais que j'ai traversé dans mon passé m'ont permis d'apprendre pour devenir la personne que je suis. Là, c'est l'heure de récolter les lauriers, les gars. C'est aussi l'heure de dire, waouh, ouais, j'ai fait tout ce chemin-là, c'est bon. Il ne faut pas oublier de se remercier. Hein. Il ne faut pas tomber dans la complaisance avec soi. Mais bienveillance, ce n'est pas complaisance. C'est-à-dire être clair, voilà, en mode Capricorne et sans affect. Ça, j'ai réussi. Là, j'ai merdé. Bon, bah, c'est pas grave, je reviendrai, ok. Mais si j'ai merdé, pourquoi? Et qu'est-ce qui manque pour aller chercher un truc plus haut? Les petites fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a à comprendre et apprendre? Moutarde. Moutarde, c'est une montagne russe. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Allez, j'ai la patate, j'y vais. Et puis... Ah, je peux plus, au secours, oubliez-moi la vie là, juste je vais aller dormir. Moutarde, ça peut aussi nous dire que on a la vision, on sait où on a envie d'aller, on a la vision là, et l'instant d'après, tchouf, on s'est pris le nuage noir, la lumière s'est refermée et on sait plus du tout, on sait même plus comment ça s'appelle. Donc c'est marrant parce que vraiment cette carte là, c'est la réunion des deux, lumière, ombre, lumière, ombre. Ça peut nous parler, donc, possiblement, mettez-moi en commentaire. Bonjour Mara. Si vous vous reconnaissez là-dedans, dans le fait de traverser aussi des montagnes russes émotionnelles, un coup j'ai la patate, un coup j'ai plus du tout là, un coup limite j'ai envie de me tirer une balle parce que je suis en plein épisode dépressif et puis je ne vois plus, je vois plus le sens que ça a de faire les choses. Ne vous arrêtez pas, prenez de la hauteur. Ne vous arrêtez pas à l'apparence de vos ressentis des choses. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous êtes en nettoyage. Vous êtes en épuration pour aller chercher un niveau de vision de conscience qui est bien supérieur à celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Puisque vous avez un nouvel objectif à atteindre, un nouveau but à tracer ici. Et le nouveau but, c'est quoi? Eh bien, c'est mettre au service de la lumière les résultats de votre travail passé, de ce que vous avez déjà unifié à l'intérieur de vous. Ok ? Donc, effectivement, dans les hauts et les bas, dans il y a des coups, ça va super bien, puis il y a des coups, je suis hyper en mode Orangina, secouez-moi. Ne laissez passer. Voilà, c'est comme l'orage. Ok, Odile, tu confirmes. Bon, ben voilà. C'est comme quand il y a un orage dehors. Hein. Vous regardez, vous avez l'orage. Ben, vous pouvez rien y faire, vous vous calfeutrez, si vous avez peur, vous prenez un peu de rescue, vous buvez un grand verre d'eau, vous faites une tisane, vous mettez je sais pas quoi, un truc tout doux voilà, sur Netflix, et puis hop, c'est fini quoi. Puis quand il fait beau, ben boum, on revient dehors. C'est ça que ça nous dit aussi. C'est quand vous êtes en période, j'ai un nuage noir ou je suis en train de prendre un énorme orage émotionnel,
comprenez que vous êtes en train de faire sortir de vous et d'épurer une mémoire de noirceur, de tracas, de dépression, de colère. Vous êtes en train d'évacuer, de vidanger votre fosse septique émotionnelle. Ok ? Donc, des fois, ça pue. Ben oui, ça pue, ça pue. C'est comme ça. C'est comme ça que... Quand vous avez une grosse plaie, les infirmières, vous allez à l'hôpital et on vous désinfecte, d'accord ? La sphère émotionnelle, c'est comme les plaies physiques. Si à un moment donné, vous ne mettez pas les choses au propre et ensuite vous recousez proprement, vous désinfectez, vous mettez un beau pansement, puis vous changez régulièrement les pansements, eh bien, comment vous voulez que vos plaies émotionnelles internes puissent du coup se libérer et cicatriser ? Ça ne marche pas. Comprenez que votre sphère émotionnelle, elle fonctionne de la même manière que la sphère physique. On a tous des tas de mémoires, de douleurs dans notre cœur et on a à les libérer. Bon, bah, quand ça se libère, quand on travaille sur une plaie, des fois ça pue, parce que ça faisait longtemps que c'était enfermé, voilà. C'est pas très grave. Moins vous luttez contre ça, plus ça peut s'évacuer. Ouais, l'émotion s'apprivoise. En fait, l'émotion nous traverse, David. C'est-à-dire qu'elle nous traverse si tant est qu'on accueille. Ok, allez-y les gars, envoyez la sauce, traversez-moi. Quand on résiste contre, non, je ne veux pas avoir une angoisse, non, je ne veux pas être en colère, non, je ne veux pas être triste, hein, on refuse la vie. Les émotions sont le langage de l'âme. Notre mental nous parle avec des mots et des pensées, notre cœur, notre âme nous parle avec des émotions. Accompagnées de perceptions physiques qui vont soit dans le sens de la contraction, ouh là là, non, je veux pas, ou bien soit, oh, trop bien, expansion, je kiffe. Ça, c'est feu rouge, feu vert, ok ? Mais quand vous sentez que ça bloque, c'est qu'il y a une épine, c'est qu'il y a une alerte, c'est qu'il y a quelque chose à libérer. Parce que l'état naturel des choses, c'est la fluidité, la simplicité et l'absence de jugement, la neutralité émotionnelle. Dans la nature, ce qui est normal, c'est être neutre. Et plus vous êtes neutre, plus vous êtes en paix, et plus vous allez facilement aller chercher derrière joie, enthousiasme, amour. D'accord ? Quand vous voyez que vous ressentez en vous contraction, peur, culpabilité, émotion négative, c'est qu'on est sur un nœud. On a débusqué une baleine. On a une mémoire à nettoyer. Ben donc, il faut déjà l'accepter. Salut Cécile ! Corinne, des hauts et des bas. Bon, ben voilà, en plein dedans. Donc, si vous êtes vraiment trop ballotté par des hauts et des bas émotionnels, allez vous chercher l'élixir de moutarde en biocoop ou n'importe où. Moutarde, encore une fois, comme n'importe quel élixir. 4 gouttes 4 fois par jour pour l'équilibrage émotionnel. La stabilité émotionnelle, voilà, c'est le mot. Alors, ensuite, l'arche. Comment je vous le dis ? L'arche, c'est le « je suis pas assez bien pour », »,« je suis pas digne de », »,« je suis pas digne de recevoir », »,« je suis pas... » L'arche, ça nous parle de manque de confiance en soi. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vu l'étendue de son potentiel. Tout à l'heure, je venais de vous dire, là, on est avec « je suis à l'aube d'un profond changement dans ma vie et les choses vont s'accélérer ». Pourquoi ? Parce qu'il est l'heure de mettre au service du monde ce que j'ai travaillé en moi, l'harmonisation que j'ai déjà atteinte, la révélation de mes talents, de mes objectifs, de ce que je suis venue faire dans la vie. En astrologie, si vous vous êtes amusé à faire une carte du ciel, c'est la mise en place de votre nœud nord. Le nœud sud, dans un thème astral, c'est les mémoires karmiques, mon programme à travailler, donc ce qui se passe dans la première partie de vie. Ce avec quoi la charge, hein, ce avec quoi j'arrive dans cette vie. Le nœud nord, c'est ce que je dois développer, ce que je suis venu apporter, ce que je suis venu, mon talent que je suis venu libérer, qui ne peut se manifester et s'éclairer que quand j'ai traversé mon ombre. Salut ma cri-cri d'amour ! Ben oui, je te vois jamais en direct. Ça fonctionne en mettant de la moutarde dans tous les plats, mais c'était... Toi, je t'aime. Hein. Essaye du réfort. Ça pourra changer. Bon, du coup, tu me perturbes dans ce que j'étais en train de dire. Mais j'adore quand tu me perturbes, Cricri. Ok ?
Là, on est à justement, je me libère de toutes les casseroles que je traîne. Les casseroles, c'est le donc ce que je vous disais, le nœud sud. Allez sur un, si vous êtes intéressé par ça, il y a un site qui s'appelle Evozen, Evozen. Et puis c'est un truc gratuit, il y en a plein d'autres, hein, mais vous pouvez vous éditer une carte du ciel, thème natal, voilà, gratuit en ligne. Alors après, évidemment, piocher, ça reste du gratuit, puis c'est généré par ordinateur. Sinon, allez directement faire, si vous voulez savoir où vous en êtes avec votre nœud sud et votre nœud nord, allez voir un astrologue. C'est hyper intéressant de comprendre, voilà, je suis venue charger de telles épreuves d'abord à transmuter, à libérer, pour me diriger vers tel objectif. Et quelle est ma lumière? Et donc le nœud nord, en lien avec, c'est quand même tout ça pour ça, en lien avec l'arche, c'est je prends conscience de qui je suis vraiment. Je prends conscience de ma véritable valeur. Alors, et du coup, je m'accepte comme je suis, hein. L'arche, c'est comme on ne voit sur soi que ce qui va pas bien et qu'on voit chez les autres comment ce qu'on voudrait devenir, on ne peut voir que ce qu'on est déjà, ce qu'on porte en graines. D'accord? Donc si vous êtes époustouflé, allez chercher ce qui vous époustoufle chez certaines personnes. Allez chercher ce qui vous impressionne. Allez chercher tous les moments où vous vous dites, oh, mais je voudrais tellement être comme ça. Parce que vous pouvez être sûr que si vous remarquez ça chez les gens, c'est que vous l'êtes. Mais au lieu de regarder dedans, vous regardez dehors. C'est à ça que servent les neurones miroirs. On ne peut savoir ce qu'il y a dedans, mais on peut en prendre conscience parce qu'on voit par miroir chez les autres ce qui résonne dedans. Si ça résonne, quelque chose que je vois à l'extérieur résonne dedans, c'est que je l'ai en moi. Soit en mode positive, oh, mais c'est pas encore germé, soit en mode négatif, ah, faudrait, quand vous critiquez, quand vous supportez pas un truc, c'est que c'est quelque chose que vous avez aussi à harmoniser chez vous, hein. D'accord? Donc avec l'arche, on prend conscience de son plein potentiel, on prend conscience de je suis ça aussi. Donc j'ai à le nourrir, j'ai à l'arroser, j'ai à le faire grandir. J'ai ça en moi, j'ai cette vibration. Et ce que je trouve très beau chez les autres, forcément, j'ai à le cultiver chez moi. D'accord? Allez chercher ce que vous voyez chez les autres et comprenez ce que vous avez comme potentiel à libérer encore. Et si vous pensez et que vous en êtes encore en l'arche très très négatif, en mode je suis vraiment trop nul, je suis blablabla, ça, l'arche, c'est vraiment un complexe d'infériorité. Si vous sentez que vous êtes en lien avec ce complexe-là d'infériorité et que vous êtes, ben, que voilà, vous n'êtes jamais content de ce que vous faites et que vous êtes toujours en train d'admirer les autres derrière, eh ben, c'est que vous avez possiblement besoin de l'arche aujourd'hui pour ouvrir les yeux sur ce magnifique potentiel que vous ne voyez pas en vous. D'accord? Tu me trouves très belle en entier. Ben, Christine, tu es très très belle en entier. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire ça. Que... Mais bien sûr que t'es moi, tu le sais, non? Alors, l'un est l'autre. EST. Dernière fleur. Elle, arrêtez de faire les porte-manteaux. Gorse, la lumière qui se rallume et qui éclaire le chemin. Regardez ça. Oh, c'est trop drôle. Je sors d'une guidance individuelle. On avait un petit peu exactement la même configuration avec une nouvelle lune, une pleine lune et puis la lumière. Gorse, c'est l'alchimie des deux. Enfin, ça va plutôt dans ce sens-là. Je viens de traverser un grand moment d'ombre. Et c'est la lumière qui se rallume au bout du tunnel. Ça y est, j'ai vu ce que j'avais à voir en moi. J'ai pris conscience de ce que je ne voyais pas en termes de talent, en termes de mais c'est quoi, où est-ce que je suis belle que je ne le vois même pas, tu vois? En mode Christine, là, qui fait, oh, mais en fait, je suis vachement bien. Waouh! On peut voir que ce qu'on a, Christine. C'est pour ça que les gens qui sont fondamentalement gentils ou les gens qui sont hyper alignés avec leurs paroles. Ils peuvent pas voir le mensonge. Ils se font avoir tout le temps. Pourquoi? Parce que le mensonge n'existe pas dedans. Donc, ils peuvent même pas imaginer que des gens à l'extérieur les trompent. Tu vois, je sais que ça va te parler aussi. Donc, quand vous avez travaillé votre parole, que ta parole soit impeccable et que t'as vachement bossé sur aligner, je pense, je dis, puis j'acte ce que je dis, mais derrière, t'as des gens qui sont pas aussi avancés que ça sur le chemin. Et qui sont encore dans la manipulation de leur propre mental
Et ils se font tellement baratiner à l'intérieur que de toute façon, leur parole, elle est forcément mensonge. Mais ils sont les premiers à se faire prendre à leur mensonge. Sauf que toi, bah, tu es comme une cruche, toi, tu as travaillé à mort ta transparence. Bah, tu sais pas voir le mensonge. Voilà. Ça, c'est. Je suppose que ça parlera à plein de gens. Mais on est là-dedans. On ne voit que ce qu'on est soi-même. Bonjour Séverine, bienvenue. Ok? Donc là, on voit ce qu'on ne voyait pas de soi avant. On voit la lumière en soi. On voit comment on est belle ou beau. Hein, vous le mettez, voilà, les garçons, vous adaptez. Mais on voit aussi, c'est marrant parce qu'avec Elm, c'est Elm, je vous disais, c'est le porte-manteau. D'ailleurs, on le voit bien. Elm, c'est l'orme anglais. Donc, c'est un arbre qui est très solide, qui est très fort, qui est très majestueux. Une personnalité Elm, particulièrement, alors, dans le domaine professionnel, possiblement familial, c'est la fleur des leaders, des managers, des locomotives dans la vie, des gens qui tirent les autres. Des gens, salut Eve, comment vas-tu? C'est les gens, vous voyez, qui sont des piliers, coucou Sandrine, qui sont des piliers pour tout le monde et tout le monde est venu, a pris l'habitude de venir poser sa petite pierre, sa petite charge. Tiens, pouf, on se décharge, on se décharge, on se décharge. Donc il arrive un moment, le helm, il est tellement blindé de tous les sacs et tous les cailloux de tout le monde, il a un peu du mal à avancer. Puis il dit, je comprends pas, je suis un peu chargée en ce moment, je suis un peu fatiguée. Bon. Et comme il a l'habitude d'avancer, d'être fiable et solide, et que là il est écrasé sous la charge, mais il voit même pas la charge. Salut Ismaël. Oui, t'arrives au bon moment toi aussi, hein. Il voit même pas la charge sous laquelle il croule. Puis il est encore capable de se mettre des coups de pied au cul, de se fustiger en disant, putain, mais je suis vraiment nulle, j'avance pas assez vite en ce moment. Non mais attends, t'as 300 000 kilos sur les épaules là ou dans tes paniers, mon titi. Putain, dans la moitié, c'est pas à toi. Donc tu rends à César ce qui appartient à César. Puis tu fais le choix. C'est là que aller chercher le Capricorne invisible en nous qui a aucun état d'âme. Bon, tu sais, mais en mode je fais le tri dans mon grenier ou dans ma cave. Ça je garde, ça je prends plus. Ça je garde, ça je prends plus. Ça c'est à toi, tu gères. Ça c'est à toi, tu gères. Ça c'est à toi, tu gères. Ça c'est tes dossiers, tu te démerdes. Ça c'est, eh ben non, c'est pas à moi de le faire, c'est à toi. Pif, paf, pouf. D'accord? C'est vraiment, je remets les choses en clair. Et je reste droit dans mes bottes. Et, en mode Ismaël, j'ai plus besoin de m'énerver pour dire quoi que ce soit parce que je suis tellement droit et en connexion avec ce sentiment de. C'est juste, ça c'est ok, c'est pour moi, j'en prends la responsabilité, j'en gage et je le fais, mais ça, c'est niet. Non, ça, et c'est non négociable, et c'est plus négociable, et j'arrête ça. D'accord? Ça, c'est le Capricorne à l'œuvre. Le Capricorne qui est clair, qui est net avec lui, et qui, mais qui est dans l'équilibre, qui est hyper cartésien. Le Capricorne, on dit tout le temps, alors c'est vrai qu'on dit, c'est un froid, c'est. Voilà. C'est un très grand sensible, le Capricorne. Hein. C'est l'opposé du Cancer. Donc, il a évidemment à voir avec ça. Mais, pouh, il est hyper aligné et il est juste. D'accord? Donc, incarnez. Allez regarder sur votre thème astral dans quelle maison, dans quel signe il est, votre Capricorne, pour aller chercher la symbolique et comment vous pouvez utiliser au mieux votre facette Capricorne pour, paf, 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 remettre les choses en ordre. Faire du propre, faire du tri, je garde pas. Ce qui vous fait faire les montagnes russes émotionnelles, c'est aussi ce tri hein, qui est en train de se faire en ce moment dans les profondeurs. Mais, et toutes les pierres, les ruines, les vieux chantiers du passé qu'on est aussi en train de déblayer. Donc si vous observez que vous êtes mais épuisé de la vie et que ouais, vous avez juste envie de vous poser à. Oh, moi, j'ai envie de faire ma grosse loque là au milieu de. M'en fous, là où je suis. C'est bien aussi. Je pose les pieds sur ma table et. Foutez-moi la paix, j'existe plus. Mais comprenez que c'est. Ouais, c'est vraiment ça qui se passe. C'est, on est en train de faire ce tri-là tous. Je garde, je trie, j'enlève et je rends. Ça, c'est pas moi. J'arrête de charger. De me charger de choses qui ne m'appartiennent pas.
En mode, je suis pas mode Mère Teresa, quoi. Chacun prend. Voilà. Je reviens sur moi et je suis claire avec ce qui m'incombe, ce qui est de l'ordre de mes responsabilités. Ok ? Allez, on continue avec la sagesse de l'oracle. Petite conclusion. Des énergies. Bon, vous avez compris. Grosse période de tri. On fait du vide, hein, les amis. Alors, quand on fait le vide, on a des angoisses. Mais c'est l'idée de, encore une fois, en mode Sagittaire, quelle est cette personne que vous avez envie de devenir? Quelle est la vie que vous voulez faire arriver à vous? Donc, si vous ne faites pas le vide pour faire de la place au renouveau, comment vous voulez que le renouveau il arrive? Donc, c'est là qu'il faut être clair avec soi. J'accepte de traverser les angoisses et les phases négatives, c'est-à-dire j'accepte de traverser le noir, le froid, le vide, parce que c'est ce qui me permet de véritablement créer la place à ce que j'ai envie de créer pour la suite. Donc en fait, c'est hyper, encore une fois, contrairement aux apparences, c'est hyper positif. Allez, 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 sagesse de l'oracle, conclusion pour aujourd'hui, tirage aujourd'hui, les messages que vous avez besoin d'entendre, vous qui tombez sur cette vidéo, voilà, retour à la maison, on rentre chez soi. Donc, vous voyez bien, alors encore une fois, ça nous confirme tout ce qu'on a dit jusque maintenant, j'adore quand les cartes, elles se confirment comme ça. On est en mode yin, on est en mode repos, on est en mode je reviens chez moi, rien ne vaut son chez soi. Ben, j'ai envie de vous dire, vous serez avec vous, à l'intérieur de vous, jusqu'à la fin de la vie. Autant faire en sorte que ce soit douillet. Douillet, agréable à vivre. Est-ce que, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous êtes heureux d'habiter chez vous dedans? Est-ce que vous vous trouvez une maison confortable avec vous? J'aimerais bien voir. On fait un petit sondage. Qui c'est qui est content d'habiter en soi? Qui c'est qui a juste envie de foutre le camp de soi? Ça, c'est intéressant, hein, parce que ça nous montre effectivement c'est que vous en êtes dans le tri de vous et dans la guérison de vos blessures intérieures. Mettez-moi en commentaire qui c'est qui est content d'habiter chez lui dedans, hein, dans son corps. Notre corps est notre première maison. Comment, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, vous prenez soin de votre corps et de votre énergie pour être heureux d'habiter avec vous. Penseur. De nouveau, on est dans du yin. On n'est pas dans une phase de passage à l'action. Je crois que ça s'est compris. Penseur. Donc, on a un personnage. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. On a un personnage qui est en mode le penseur de Rodin. Qui est retourné. Vous voyez, qui est tout recroquevillé comme ça. Qui est encore une fois en mode repli vers l'intérieur. Le penseur. Christine, t'es confortable? Génial. Eve, t'es très contente, super, Cécile, c'est ok. Et Edith, ah coucou Edith, t'as pris congé cet après-midi pour ça, trop besoin. Cool. Ok, merci pour vos... Oh, c'est chouette, enfin, le principe des lives, c'est qu'on peut tous voilà, interagir en même temps. Séverine, tu dis quoi? Je suis heureuse d'habiter avec toi, je souris. Je suis justement en train de faire de la place actuellement. Ben voilà, nickel. Nickel, nickel. C'est ça qui est sympa dans les tirages collectifs, c'est qu'en fait, on se rend compte que même on a tous des formes, nos vies, elles ont des formes. Des matérialisations différentes, mais à l'intérieur, on traverse tous les mêmes courants énergétiques en même temps. C'est ça qui m'éclate à chaque fois. Penseur, effectivement, repli sur soi en mode, bon, qu'est-ce que je peux faire comme amélioration? Qu'est-ce que, et si je bougeais les meubles? Je soulève deux, trois tapis, je me prends une bouffée de poussière, ah ben dis donc, j'avais pas nettoyé ça depuis un bout de temps, voilà. C'est aussi ça qui se passe, ok? Comment je fais un peu le point? Toujours en mode Capricorne, de manière objective et sans tomber dans l'apitoiement, sans tomber sur la victimisation. Mais clairement sur, bon alors, voyons voir, clairement, qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je continue? Qu'est-ce que je mets de côté? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui continue de fonctionner pour moi? Qu'est-ce que je garde? Puis qu'est-ce qui me dessert? Qu'est-ce qui porte atteinte à mon énergie? Qu'est-ce qui porte atteinte à mon intégrité? Quels sont les comportements, les situations, les émotions, les actions, soit qui me nourrissent, qui me font monter en énergie, soit qui me desservent. On est vraiment là-dedans. Dans une période d'entre-deux, entre je fais un retour sur moi pour faire le point et faire ce tri. Coucou Françoise.
Et ben, à plus tard dans le replay alors. Bisous, bisous. Allez, une dernière carte pour cette conclusion. J'étais sûre entre deux. Je me disais, celle-là, si elle ne sort pas. Bon, on a, je ne sais pas combien il y a de cartes là-dedans, mais... Et j'ai fondation solide. Alors, en fondation, vous voyez, ça nous parle encore de maison. Ici, on est dans l'entre-deux. Je vous l'ai dit, on est dans une phase, ben, si vous regardez, ça nous reprend bien. Voilà, de l'ombre à la lumière. On est au milieu. On est de l'ombre à la lumière. La dernière heure de la nuit est toujours la plus sombre, mais elle prépare aussi le futur jour qui se lève. Entre deux mondes, ben ça veut dire que, ceci dit, c'est exactement aussi le message de la carte de moutarde, de l'ombre à la lumière éclatante. Hein. Vous avez les deux. Donc, toutes les cartes nous disent, et tous les trois jeux, les trois tirages nous disent la même chose. Ok, on est au milieu. Donc, un, on ne s'énerve pas. Deux, on prend des forces parce qu'on ne sait pas ce qui arrive, mais ça va arriver. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo ou si vous tombez sur cette vidéo plus tard que vous en arrivez jusque-là, c'est que vous avez vocation aussi à vous éveiller à la conscience que vous avez le pouvoir de transmuter votre propre ombre. Vous êtes des alchimistes. L'alchimie, c'est quoi? C'est je reviens dedans. Je reviens dedans. J'analyse ce qui est ombre, ce qui est lourd. Je mets de la lumière, je mets de la conscience. Je me fais aider possiblement par un thérapeute, par tout un tas d'approches psychocorporelles. Si on veut passer à la lumière, il faut transmuter les mémoires. Les mémoires, elles sont dans le corps. Faire 15 ans d'analyse, c'est bien, ça vous permet de comprendre ce qui ne va pas. Mais ça ne libère pas les mémoires corporelles, d'accord ? Si vous voulez avancer véritablement, vous devez passer par du psychocorporel. Ça peut être de la microkiné, ça peut être du chiropractie, ça peut être ostéo, ça peut être évidemment fleur de Bac, hypnose, EFT, EMDR, n'importe quoi, kinésiologie. Kinésiologie, c'est top. Mais passez par le psychocorporel pour libérer de votre mémoire cellulaire la douleur. Plus on libère de la douleur, plus on libère de l'ombre, plus on prend conscience de ces mécanismes cachés, plus on prend conscience de ce qu'on n'aime pas en soi. Mais quand on vient mettre de l'amour, de la douceur, plus on transmute. C'est par l'amour qu'on guérit et qu'on transmute l'ombre en lumière. D'accord ? C'est vraiment ce chemin-là de je passe du nœud sud au nœud nord dans mon thème astral, je mets de la lumière, je comprends qui je suis et quelle est la part en mode je m'en remets à plus grand que moi, je comprends que je suis aussi au service du monde. Je ne suis pas que en étant à mon service à moi, en mode je reviens sur moi, ok là j'ai besoin d'être peut-être en mode égoïste. Pourquoi ? Mais parce que j'ai besoin d'éradiquer de moi ce qui n'est pas moi. J'ai besoin de développer mon plein potentiel. J'ai besoin de comprendre mes valeurs, mes fondations profondes pour les asseoir et les renforcer encore plus. D'accord ? Parce que c'est là-dessus que je vais créer ma future vie. Donc ouais, j'ai besoin de déblayer les ruines du passé, j'ai besoin de digérer ce que j'ai pas digéré, j'ai besoin de monter en conscience et j'ai besoin de transmuter. D'accord ? Vous êtes tous des alchimistes. Tout le monde a la possibilité d'être un alchimiste. Un alchimiste, ça veut dire j'arrête d'avoir peur de ce que j'aime pas en moi, je l'accepte et je le traverse. Quand je le traverse, ça passe par le cœur, le chakra cœur, l'ouverture du chakra cœur. Attention, n'allez pas chercher l'ouverture du chakra cœur si vous n'êtes pas enraciné. D'accord ? Mais pour ne pas garder en vous. Sinon, vous restez là-dedans, vous n'allez pas là. Hein. Donc, comprenez que c'est un processus qui prend du temps, qui demande beaucoup, beaucoup de courage et qui est en lien avec cette idée de se donner le temps d'ouvrir les yeux, de revenir à soi parce que notre mental passe notre temps à utiliser nos plus grandes croyances pour nous faire nous quitter nous-mêmes, d'accord ? Et comprendre qu'on peut devenir beaucoup plus. Donc ça veut dire aussi accepter de recevoir, accepter de voir la beauté en soi.
accepter, juste après fondation, j'ai des cadeaux. Accepter de voir les cadeaux de la vie. Accepter de comprendre que ce que vous n'avez pas digéré, hein, ce que j'ai ressenti dans le ventre tout à l'heure, eh ben, c'est ce que vous... C'est peut-être des expériences difficiles que vous avez traversées dans votre vie, mais dont vous n'avez pas vu qu'elles étaient en réalité des cadeaux ou qu'elles étaient porteuses de cadeaux cachés parce qu'elles viennent révéler des parties de vous, des nouvelles compétences, des nouvelles aptitudes que vous n'aviez même pas encore vues. Tout ce qui vient nous challenger dans la vie, ça a vocation à nous faire sortir de notre zone de confort. Pour faire quoi ? Ben pour nous permettre d'éclairer un truc qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. D'accord ? Sauf qu'après, ben une fois qu'on a fini de traverser, on se pose, on digère, on intègre, on devient un petit peu plus élevé en conscience, en compétence, en aptitude. Et on peut toujours plus se recentrer sur ce qui est dedans. Que comment, belle Élise ? Tu tombes juste, bah, comme d'habitude, ok ? Donc, transmutation de l'ombre en lumière, je retrouve la foi que ma vie peut changer. Je ne sais pas moi l'acteur du changement en tant que tel, moi je reviens à ma place pour faire le vide et montrer à la vie que justement je suis en train de me préparer pour recevoir les bienfaits que la vie va me faire arriver. D'accord. Ne vous occupez pas de savoir comment le changement il va arriver. Ça, c'est pas votre boulot, c'est le boulot de l'univers. Commencez par vous faire de la place et par vous mettre en disposition. J'accepte de recevoir les cadeaux de la vie. Même si ça n'a pas l'air de cadeau. D'accord. J'accepte de traverser des rideaux. J'accepte de traverser des épreuves parce que derrière, il y a la lumière. Et que les épreuves me font transmuter mes peurs et mes angoisses. Parce qu'au final, une fois que je les ai transmutées, je me dis « Waouh, je suis vachement plus balèze que ce que j'avais imaginé. » D'accord ? C'est comme ça qu'on évolue. Donc, mais sauf que si vous êtes sûr « Non, 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 je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. » Ou bien « Je ne suis pas digne. » En mode « Je ne suis pas digne de recevoir, mais dites-moi une parole, je serai guérie. » Non, non, c'est vous qui l'a dit la parole. « Oui, 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 je suis digne. Oui, 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 j'accepte de prendre. Oui, 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 ben non, là c'est moi, c'est pour ma gueule, c'est pas pour les autres. Hein. J'ai assez donné jusqu'à maintenant. » Petit retour à l'équilibre. Et ensuite, hop là. Ça va, ok. Bon, ben écoutez les amis, transition, ce qui veut dire immobilisme, ce qui veut dire, ben pour le moment ça bouge pas, mais ça veut surtout dire prenez des forces, hein, parce que très clairement, prenez des forces, faites de la place et préparez-vous à accueillir le changement. Le changement qui, on ne sait pas quelle forme il va prendre, on ne sait pas d'où il va arriver, dans quel domaine de vie, ça va être spécifique à chacun. Est-ce que ça va être familial, social, professionnel ? Est-ce que ça va être plusieurs domaines de vie en même temps ? Dans votre rapport à vous, votre rapport à, voilà, comme je vous disais, votre force physique aussi, le pôle physique en vous. Mais en tout cas, on est tous en train de passer un gros, gros cap de fréquence vibratoire, consolider nos tréfonds, pour construire autre chose, autrement, la possibilité de devenir son plein potentiel et la lumière qu'on est pour la rayonner au monde. Ok ? Peut-être que dans la forme, ça ne changera pas. Mais comme ce qui change, c'est d'abord dedans, forcément, vous allez attirer à vous. Il y aura forcément en ce moment, il doit, vous devez, dites-le-moi, confirmez-moi si c'est juste ou pas, mais manifestement, vous devez observer qu'il y a des gens qui sont en train de sortir de votre vie, des gens que vous voyez qui pouvaient même être vos meilleurs amis avant et puis tu sais pas pourquoi, pouf, c'est en train de s'arrêter, mais il y a forcément des nouvelles choses qui sont en train de rentrer, il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles situations, il y a des choses que vous n'aviez jamais attirées ou manifestées qui sont en train de se manifester. Vous devez observer qu'il y a des retours en ce moment, d'accord ? Parce que la vie vous apporte des nouvelles choses. Et quand vous observez qu'il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, que il y avait des choses que vous aimiez faire et que vous n'avez plus envie de faire, il y a des endroits où vous aimiez aller, vous n'avez plus envie d'aller, etc. Et bien effectivement, il y a tout qui change derrière, d'accord ? Séverine, tu as accepté un nouveau cadeau qui s'appelle Eric. C'est bien ça ? Dédicace d'amour inconditionnel pour nous. Ah, ben ça, c'est bien.
Mais génial, super. Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, c'est vrai, super. Bah, ils sont là pour ça, ces lives. Hein. D'accord. L'idée, c'est évidemment le partage. C'est comme ça que on avance tous ensemble, on est plus fort. Ah ma gris-gris! Bon les amis, je ne sais pas trop quelle heure il est, il va être midi. Je vous embrasse très très fort. Si vous n'êtes pas sur ma chaîne YouTube hein, où je mets voilà, les vidéos plus régulièrement, je ne les mets pas forcément, après je ne les fais pas revenir forcément ici Facebook. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos, voilà, tous les investissements fonctionnent, j'ai croisé une personne formidable, je me lève avec le sourire. Mais c'est génial David, bravo! Super, super. Honorez, gratifiez, honorez-vous. Les changements que vous voyez arriver dans votre vie, ils sont le résultat de votre travail. C'est ça, hein, c'est vraiment le message du Capricorne ici. Vous avez bossé comme des fous pour en arriver là, mais honorez-vous. Et comprenez que, enfin, c'est difficile de mesurer le travail qu'on fait en lien avec l'émotionnel et le spirituel parce que tu as passé l'après-midi à rentrer une pile de boîtes et t'en peux plus, ton corps n'en peut plus, tu sais que tu as bossé. Le travail de guérison intérieure, il t'a pas des courbatures tout partout. T'es juste pu, comme ça. Mais quand vous observez que vous êtes comme ça, comprenez qu'il se passe un boulot de malade à l'intérieur, même si vous ne le voyez pas. D'accord? Donc, honorez-vous d'avoir fait ce travail et quand vous observez que votre corps il a plus envie de bouger, soyez pas dans la complaisance encore une fois, tombez pas dans la paresse, mais apprenez à faire la part des choses en disant j'ai besoin de temps pour moi. D'être dehors, parce que je suis dans une grosse phase d'intégration de nouvelle énergie, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et parce que la vie vous dit, Titi, ça va s'accélérer, prends des forces. D'accord? Donc, super, gratifiez-vous, revenez à vous, faites du vide dans vos vies, parce que il y a quelque chose qui arrive. Ok? Je vous embrasse tous très très fort, très très belle journée, et à la semaine prochaine dans le live de la Voix des Fleurs. Bisous, bisous!